si vous voulez passer ce match-là, c'est tout ce que vous avez dans le cœur, il faut le mettre aujourd'hui sur le terrain. Il va ! Ça, c'est le truc. Référence, on y est. Le match parfait pour rentrer dans la compétition par rapport à la trêve hivernale qui s'est passée. Beaucoup de choses à gérer. Le contexte à gérer. D'accord. Le monde. Là, on est sur un vrai match de Coupe de France. Avec tout ce qui comporte. Le temps, les conditions climatiques, le terrain, le monde, le public, les gens qui vous aiment, ceux qui viennent, tous ceux qui viennent. Voilà, tout ça là fait que c'est un vrai match de Coupe de France. Et un vrai match de Coupe de France, ça se gagne avec les tripes, ça se gagne avec la tête. D'accord ? Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans le match, il faut en rester focus sur l'objectif, à chaque fois. On ne peut pas être à demi-mesure. On ne peut pas faire les efforts à demi-mesure. On ne peut pas faire les retours défensifs à demi-mesure. On ne peut pas attaquer à demi-mesure. Tout ce qu'on fait, il faut le faire à 250%. Si vous voulez passer ce match-là, c'est tout ce que vous avez dans le cœur, il faut le mettre aujourd'hui sur le terrain. On vous dit, ouais, Saint-Priest, le parcours de France, il est trop simple, il est trop facile. Il n'y a aucun match qui est simple et aucun match qui est facile. Il n'y a aucun match qui est facile. Parce que si on perd contre les petites équipes, vous passez pour des brèves. Et vous avez fait le taf. Et vous êtes donné le droit aujourd'hui de jouer la 16e de finale. Moi je sais, je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, je vous le dis depuis le début de Roland Garros, vous allez passer aujourd'hui. Parce que vous êtes trop sérieux, vous méritez. Vous méritez, l'aventure en vaut la peine et vous le méritez depuis le début de l'année. Vous méritez à un moment donné d'être en lumière. Vous méritez qu'on parle de vous. Tout ce que vous faites, vous le méritez. Mais pour ça, il va falloir donner. Et donner beaucoup. On peut pas sortir de ce match-là avec des regrets. On peut pas. On peut pas sortir de ce match-là avec des regrets. On peut pas se dire, putain, si j'avais su. Putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? C'est j'ai fait ça. J'ai fait. J'ai été. J'y suis allé. J'ai fait. Y a pas de regrets. Tout ce qu'on fait, les efforts, la douleur des regrets, elle est plus forte que celle des efforts. D'accord? Moi, je peux pas sortir d'ici avec des regrets. Non. Je veux qu'on sorte d'ici grand, 16e de finale. On doit sentir sur le terrain une équipe qui voyage ensemble. Tout ce qu'on fait, c'est ensemble. On doit sentir un bloc. Tout le monde est là. Les gens qui viennent du club, il y en a, ils ont fait les voyages et tout. Je les vois arriver dans la tribune. Il y a du monde. D'accord? Moi, je vous ai dit, demain, la feuille du progrès, c'est... Ils sont en 16e. Saint-Priest est en 16e. Vous avez le droit, aujourd'hui, d'égaler le record du club. Et même peut-être d'en faire plus encore. Mais pour ça, il faut donner. Ok, les gars? Je peux pas en dire plus. Vous êtes dans votre match depuis déjà une semaine. On sent, on le voit dans les regards. Vous êtes dedans. Ok? Ceux qui débutent, ceux qui ne débutent pas, prêts à rentrer, prêts à faire la différence. Parce que je répète, aujourd'hui, c'est la totalité du groupe qui vit ensemble. La totalité du groupe qui fait ce match-là. Il y en a qui sont restés à la maison, malheureusement. C'est comme ça, c'est tout. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est tous ensemble. Je vous le dis, on doit voyager ensemble. Tout ce qu'on fait, c'est ensemble. Détermination, chaque détail est important, chaque détail compte. Chaque ballon joué est important, chaque contrôle est important. La concentration maximum à 250%. Tout ce que vous faites est à fond. Ok, les gars? On est prêts ou pas?
Vous n'êtes pas habitué à en faire, parce que là, vous avez vu que l'enfer. Allez, c'est la gagne, les gars. Allez, 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 allez. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. Bon, les gars, c'est tranquille. Allez, les gars. Bon, tranquille. Des soldats là, y'a rien pour eux, on laisse rien, rien, rien du tout. Pour mes duels, pour mes impacts, pour les gars, on met les pains, ça lance le match direct. Mentalement on est forts tous, on est tous forts. On s'encourage tous, y'en a pas un qui baisse. Sam, ceux qui sont sur le banc à part, rentrer, faire la différence, tous. Ça va être dur les gars, c'est normal, c'est un 32ème de finale, ça va être dur. Mais c'est comme ça, c'est un match de guerriers d'hommes. Vous devez être présents et je le sais, vous serez là. Vous allez répondre présents les gars. Rien ne nous impressionne, rien ne nous fait peur. Pour la moitié d'entre nous, ce sera peut-être le dernier. Oh, il y a nos familles, il y a tout ce qu'il faut. Exactement. Si jamais on mène, mettez-moi les ballons par-dessus la tribune. Alors, hors de question qu'on prenne un but. Juste à la 45e ou à la 90e. Il y en a un qui tombe, relevez-le. Il y en a deux qui tombent, relevez-le. Pour qu'on soit vraiment ensemble. Ça veut dire qu'on commence le match, on les arrache tout de suite. C'est bon? Maintenant, bon match à vous, les frères. Allez, c'est bien ce que vous faites parce que on sent une détermination, on sent un groupe qui travaille ensemble, défensivement. Évitez de vous mettre dans la merde sur des trucs comme ça. On n'a pas vu, il y a le feu, machin et tout. Devant, en touche. Vous l'avez fait toute la première partie de la mi-temps quasiment. Ben continuez comme ça. Ok, eux ils se prennent pas la tête, nous aussi pareil. Le terrain il est difficile. D'accord, ils vont faire des erreurs techniques. On se jette pas. Offensivement, c'est bien. Par contre, maintenant, ce qu'il faut faire offensivement, ok, détermination, concentration, et vous allez au bout. Ok, il y a 2-1, on reste focus. Ils vont se découvrir, ils vont nous laisser des boulevards. Plus ça va avancer, plus ils vont se découvrir. Plus ça va avancer, plus ils vont s'énerver. D'accord, plus ils vont s'énerver, plus ils vont sortir de leur match, et nous, on est dedans. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le match, on bouge pas. On est serein, on est bien. Restez focus, objectif. Mais là, on continue à jouer. Quand on perd le ballon chez eux, allez-y au pressing. Allez-y, mettez-leur la pression, ils n'arrivent pas, techniquement c'est faible derrière.
Ils ont du mal à sortir les ballons courts. Allez, c'est bien les gars. Oh, allez, 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 allez. Les mecs, faut tuer direct. Hein. 45 à 2000, hein. 0-0, on n'a pas le temps. On tue pas surtout. Hein. Soyez solide et adulte. Soyez solide et adulte. Allez, gars, allez, allez. Allez, 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 allez. Un grand bravo, un très très grand bravo, au-delà de la qualification qui est totalement méritée, vous m'avez fait trembler jusqu'à la dernière minute. C'est un match qui va vous servir pour aller chercher la montée. Parce que ça c'est des matchs de bonhomme. Ça c'est vraiment des matchs de bonhomme. C'est ça qu'on veut voir nous tout le week-end en fait. Tout le week-end on veut voir des mecs comme ça sur le terrain qui s'arrachent, qui se défoncent. Pas parce que c'est la coupe, on veut voir parce que c'est le championnat et qu'il faut aller au bout. D'accord? Donc là franchement bravo parce que... Il n'y a rien à dire. Le match il est mérité, il est maîtrisé, même si on est passé par toutes les émotions. Et rentrant, la différence, tout ça. Bravo. Le club, tout le monde est là, vous avez vu, tout le monde est avec vous. On les a éteints. On les a éteints. Le chaudron, c'est nous, on leur a fait bouillir. On met tous les joueurs, tous ceux qui sont passés à PS, tout ce qu'ils ont fait, la Gambarde, la Coupe de France. Vous venez dégaler ce qu'avaient fait nos anciens. En 2001. Et en 2000, quoi pas, c'est Ziane gagné. Vous marquez les pages du livre de la Saint-Priest, c'est grave. Félicitations encore. Voilà. On va sauter ce putain de vestiaire. Il a marqué, il a marqué, il a marqué, il a marqué, il a marqué.
Oh, on est à 16h.